Yeah!
Je m'affirme toujours par mon habillement. J'essaye toujours d'être dans ma culture, que ce soit ici ou ailleurs, de porter mes habits pagnes, ceux qui viennent de l'Ouest. Donc, chez moi, ça ne change pas. Parce que pour moi, ça me, voilà, je me sens ici comme ailleurs, chez moi. Une fois que j'aime mes accoutrements, une fois que je porte ce qui me rappelle ma culture, je me sens chez moi et je me sens assez bien, à l'aise. Et je repense à mon passé, à mes parents, à mes grands-parents, à mes oncles, mes tantes, tout le monde, toute la famille. Ça me rappelle, je suis avec eux, juste à travers mes accoutrements. Bye.
ça pour toi. On doit passer à la phase décisive, le scellage de l'union entre les deux familles. C'est le mariage même ici aujourd'hui, parce que tout le reste, nous appelons encore le roi. C'est les deux familles. Je suis resté, tu m'as ramené ici, avec le qui est là. Léon. Qui devient avec toi, mon fils. Mais il faudrait que tu puisses me donner l'or de boire de ce vin. C'est un vin, c'est le vin blanc. C'est très important chez moi. Si tu me donnes l'ordre de boire de ce vin, je veux boire. Parce que quand je bois, je ne veux plus. Il ne faudrait pas que demain, tu viennes me dire que la fête n'a plus marché. Je rends la main. Dès que tu pars, tu es parti. Tes grandes soeurs sont parties, tes grands frères sont partis. Tu es la dernière. Tu pars. Personne n'est jamais revenu ici. Tu me donnes l'ordre de donc boire ce jus de chien. Tu me donnes de boire. Que je boive. Bois, papa. Bois. Tu as suivi, non? Non, on a suivi. Deux fois, il me demande de boire de ce vin. Bois, papa. Dès que je bois, je ne bois plus. Et la couleur. Oui, comme ça. Et cette couleur, je peux être croquée. Je croque comme je le vois. Pourquoi je le fais? Je peux me prononcer sur certains points, mais sur d'autres non. Je peux parler de la culture bamiléké par exemple. Je pense que chez nous on prend vraiment au sérieux. Pour ce qui est des autres cultures, je ne peux pas vraiment me prononcer ou avoir dit quelque chose de sûr, avec parlé avec assurance. Mais c'est que du côté des bamiléké, on est assez vraiment dans la tradition, on est vraiment accroché à nos cultures. Et chez nous, ça joue un très très grand rôle. Pour nos parents, pour nos grands-parents, c'est quelque chose de déterminant. Donc pour moi, c'est... Parfait. Loin de Bafoussin. Ah, c'est bien loin de Bafoussin.
Je suis venu ici parce que tu m'as invité, en fait, on s'est invité de venir ici assister à notre cérémonie, la cérémonie. Voici Ange, voici la boisson. Si tu me reconfirmes que ce que tu as pensé est bien pensé, je vais accepter ça en vivant ce vin-ci. Et je te rassure que quand ça descend, ça ne ressort pas. Donc, tu as quelques secondes de bien méditer et me donner l'autorisation de faire avancer la cérémonie en consommant ce vin. Qu'est-ce que je fais? Tu peux boire le vin, c'est très bien pensé. La précision de ça. Ouais. La cola. Cette cola s'y accompagne toujours ce vin. La symbolique. Et je vais être obligé de me répéter pour être sûr que j'ai bien compris. Donc cette cola là, je vais croquer cette cola. Et ce sera que sous ton nom. Je te le demande encore une fois de plus. Ange que tu es en train de prendre a été bien pensé, le projet est bien pensé, parce que quand on avance, on ne recule pas. Tu dois rester avec la chérie jusqu'à la fin de ton jour. Je peux croquer? Oui, tu peux croquer. Moi, je pense aujourd'hui, j'ai une satisfaction totale. Parce que pour moi, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, la cérémonie du mariage coutumé, c'est la plus importante en fait. Parce que c'est celle qui me rapproche le plus de mes traditions, de mes origines. Et j'accorde beaucoup plus de valeur à cette cérémonie. Je ne dis pas que les autres cérémonies n'ont pas de valeur, non. Mais je dis juste que celle d'aujourd'hui, de ce soir, a beaucoup plus de valeur à mes yeux que toutes les autres. Après cette partie qui me semble être la plus importante, nous allons passer. Normalement, certaines personnes disent le premier repas de la jeune femme mariée. Bon, nous avons voulu dire la vente des arachides. Le mariage traditionnel, pour moi, ça m'inspire mes racines, premièrement. Et voilà ma tradition, comment on dit traditionnel. Et ça me fait retourner aux sources. Ça me rappelle ma vie, mon passé et celui de mes parents. Pourquoi j'aime battre ici dans le gâteau? Madame, je veux que tu Chez moi, c'est passé, c'était assez spontané chez moi. Il n'y a eu rien de préparé, tout s'est fait de manière naturelle. Donc il y a des parties que peut-être je me sentais un peu naïve, certaines parties, parce que c'est réellement ma première fois. Là, c'est un mariage traditionnel et c'est le mien. Peut-être heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Donc j'ai eu droit, je me suis sentie moi. Je n'ai pas eu à regarder ailleurs pour me sentir moi, pour faire ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. Tout s'est passé de façon naturelle et je n'ai rien préparé. On ne m'a rien dit. Je savais juste que je devais porter tel habit, après porter tel habit. Et puis je savais qu'il y avait droit, il y avait la couleur qu'on devait casser. Mais rien de plus, les archives qu'on devait vendre, je ne savais pas. Donc tout s'est passé de façon spontanée de mon côté. Oh,
Thank you.
besoin de ces moments. Oh,
Comment nous nous portons dans notre cœur? Vous pouvez vous trouver une famille comme la vôtre. Et nous souhaitons que cela continue jusqu'à la fin du jour. Vous avez pris notre fille. Il reste encore beaucoup de filles dans la famille. Votre fille vient comme ça dans la chefferie la plus importante de Bakusta. Donc vous pouvez dormir tranquille. Amen, amen, amen. J'ai dit la plus grande chefferie, je sais que je fais des gens. N'entrons pas dans les détails. Nous prenons le signe de ce sens de la vie. Je vous ramène. Amen. Non, papa, nous on ne fait pas semblant. Nous aussi on est contents d'être avec vous. Nous formons désormais une famille et c'est un honneur aussi pour nous d'être des membres de votre famille. Bon, que la soirée soit belle pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire un mot avant de sortir. C'est le successeur de notre père. Nous sommes arrivés après la prière. On devait se présenter. Suivant. On ne l'a pas fait. Je vais vous dire, je vais présenter maintenant actuellement où nous sommes là. Voici l'aîné, notre aîné, le fils de Christophe, le fils de Christophe Car. C'est pas la famille. Jou, monsieur Jou, madame Jou, ce sont les berceurs. C'est ceux qui ont bercé notre fille. Mais les propriétaires même. Les détenteurs. On se voit. C'est notre aîné. Moi je suis Christophe Kam aujourd'hui. Je n'étais pas hier aujourd'hui. Je suis Christophe Kam qui est son père, le père de Dieu. Ça c'est notre aîné. Ma mère, c'est le chien. Elle réside à Douala. Voici, voici le représentant du petit frère de Tom Michel, celui qu'il a envoyé représenter parce qu'il est malade. Il a envoyé celui-ci le représenter. Il s'appelle Komonye Landry. Moi, je représente notre papa. Je suis Kam Christophe. D'accord. Vous ne pouviez pas quitter ici. Parce que tant que nous donnons votre nom, bien sûr. Parce que vous avez bien connu monsieur Dieu, monsieur Dieu n'était que le perceur. C'est celui qui a bercé notre enfant. Qui est votre femme? Qui est votre femme? Voici le propriétaire de cet enfant. C'est bon.
C'est bon, dame là. Je parle comme ça. Il est mon aîné. Je suis son père. Il est mon. C'est ma fille. Je crois que les fleurs ne sont pas comme ça. Et nous avons deux derniers dans la famille, lui il en fait partie. Et nous souhaitons que notre fille fasse des jumeaux. Comme les triplets.
De manière générale, par la voix de mon épouse, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé pour la réussite de ces événements, les parents, les frères, la famille, les amis, les connaissances, du moins toutes les personnes qui, de près ou de loin, moralement, financièrement, par leur présence, ont contribué, nous leur disons, un grand merci, un merci qui vient du fond du cœur. Et on espère qu'on sera ensemble pour la suite le samedi.